Oui, j'aimerais parler surtout des Jeux africains parce que moi j'étais étonné de voir un casting des anciens sportifs africains ou des anciens franco-africains et aussi d'anciennes Miss de France qui va faire l'apologie d'un dictateur, aller prendre l'argent des dictatures avec un pays dans les Jeux africains qui est le quatrième pays producteur du pétrole du continent noir, le deuxième ou le troisième du bois précieux, avec 90% de la population dans la merde totale. Donc la population représente qu'un quartier du Caire en Égypte. Voyez? Et les gens sont de la merde, ils n'ont ni eau, ni électricité, ni transport en commun, ni soins. Donc il n'y a rien, rien du tout. Et vous venez prendre l'argent de ça, s'afficher avec la dictature, avec le dictateur, faire l'apologie. Je dis bravo. Chapeau à Eric Cantona, parce qu'il n'aura pas accepté ça. Je dis bravo à Lilian Thuram, il n'aura pas accepté ça. Et vous êtes là en train de foutre les bazars, aller faire l'apologie de cette dictature. Moi, j'étais déjà en 1990 ici. Nous, on a fait tout le mouvement contre le racisme ici. Mais on voyait les Chinois. Les Chinois n'étaient même pas respectés ici. Dès que la Chine est devenue la première puissance et la deuxième puissance économique du monde, depuis 2000, 2004, 2005, aujourd'hui, les Chinois sont respectés. Mais donc, l'enjeu de la respectabilité de l'Afrique se joue aussi autour de ces dictateurs dégagent. Si les dictateurs la dégagent, l'Africain sera respecté. Donc vous devez comprendre ça. Ne venez pas prendre l'argent là. Ces gens qu'on a vus là, demain, bon, d'ici bientôt, le pays, le Congo, va rentrer dans la démocratie. Mais ces gens-là, ils auront des comptes à rendre avec la démocratie. Parce que tout est filmé, tout est là, archivé. Donc allez prendre l'argent, 30 euros, 30 000 euros, 50 000 euros. Pour la pauvreté à côté, les gens n'ont même pas des équipements sportifs, ils n'ont même pas d'école, ils n'ont même pas. Ils sont de la merde. Ils n'ont même pas accepté ces jeux-là. Et vous venez faire l'apologie de ces dictateurs? Mais c'est quoi cette race de racailles qui vient faire n'importe quoi à l'échelle de l'Afrique? Voilà. Donc, vous êtes ici en France, vous avez fait tout ici en France, parce que ici, la France, ici, c'est un combat. Les gens se sont combattus pour que la condition humaine avance ici. Mais vous êtes là, vous partez là-bas pour que les Africains soient plus bas. Voilà. Donc, vous en avez conscience. Tous ces gens qu'on a vus à la télé congolaise, qui ont participé ou qui ont pris l'argent des Congolais pour soutenir la dictature de Denis Sassou Nguesso, donc nous leur disons, voilà, on vous emmerde.